c'est le premier match dans cet Euro pour les deux équipes. Un moment très important, évidemment. Qui va l'emporter dans ce gros choc? La réponse tout de suite. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique, ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. Au programme, première journée dans cet Euro 2024, le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. Bonne intervention pour éloigner le danger, ce sera donc un corner. Ballon vers la surface. Et oui, but! Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et voilà le cabezazo. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon dans le but. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Vitinha. Pardon pour Palinha. Bruno Fernandes. Bien défendu ça. Jurasek. Le ballon pour Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva dans le couloir, il a du champ. Attention à cette frappe. C'est sur la barre, c'est pas fini. Eh oui, c'est réussi, il est passé. C'est contré. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. La frappe de Ronaldo. Gol du Portugal. Ils reviennent dans le match, les Portugais. Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il perde ses repères. C'est ça qui amène le but. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et les adversaires pressent. Ballon pour Patrick Schick. Patrick Schick. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Vitinha. Le ballon pour Palinha. Joao Cancelo. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon.
Ballon pour Patrick Schick. Oh, la bonne frappe. Et but, c'est au fond. Un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale. Quel beau match. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, point. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Ouais, bien joué, bonne intervention. Wittig. Barak, une balle jouée en profondeur. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Un corner qui est bien ajusté. Ouh, c'est contré, in extremis. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Il l'a effacé sans aucun problème. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Attention, l'occasion pour revenir. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Voit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà toute la tranquillité dans la conclusion. Comme le facteur qui vient vous déposer l'a recommandé délicatement. En détournant tranquillement le gardien, il ne passe au filet. Magnifique. Et c'est reparti avec le Portugal qui est revenu à un but de son adversaire. Check. Koufal. Ballon pour Patrick Schick. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Et le bon centre en retrait. Oui, la frappe. Goal, 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 goal. Il leur permet de faire le break. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bon tempo pour tromper la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Rafael Leao. Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Ah là, il protège bien le ballon. Patrick Schick à la réception. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Très bonne prise de balle sur ce centre. Le ballon n'a pas bougé de ses gants. Cristiano Ronaldo. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon pour Bernardo Silva. Ah, la frappe part plutôt bien. C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante. Man. Du jeu, des buts, des tribunes en folie. Les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre
va marquer les esprits. Barak. Patrick Schick. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Excellente conservation du ballon. À la réception, c'est Souček. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Tout est bon dans son match, c'est une pression constante sur l'adversaire. Il ne s'économise jamais, au contraire, il retrouve de l'énergie en se dépensant. C'est ce qui le nourrit pour marquer autant de buts. C'est reparti dans ce match avec donc le Portugal qui est mené d'un but. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Juan Cancelo. Balle au pied, c'est Bernardo Silva. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Pour Barak. Il peut centrer là, là-dessus. Souček à la réception. Et peut-être l'occasion de marquer. Et il y a encore le feu. Pas de faute, c'est bien défendu. Cristiano Ronaldo. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et danger écarté par Ruben Dias. Bruno Fernandes. Possédé du ballon. Reiki. Jurasek. Très bien donné en profondeur. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Bojek. Allez, cette passe, elle est bien vue. Un bon arrêt du gardien. Ça va vers le point de pénalty. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break. À la réception, c'est Souček. Ah, la différence est faite. Bon ballon en retrait. Et le bon centre là, peut-être. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, bien joué dans la profondeur. Allez là, pourquoi pas frapper. Excellent le geste défensif là. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Et voilà, le changement s'effectue. Sur le coup franc. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Ballon vers Cristiano. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah, la défense invite au pressing. C'est leur stratégie. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Portugal.
Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Barak. Et une possibilité là pour centrer. Ouais, la perte de balle des Tchèques. Vitinha. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Rafael Leão. Le gardien qui s'interpose, quel réflexe! C'est frappé par Bruno Fernandes. Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. La visite de l'égalisation n'est pas la bienvenue. Et c'est leur gardien qui le dit. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Ronaldo. Ouais, bonne intervention là. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Attention, super intervention dans le Money Time, ça permet à son équipe. L'équipe de se maintenir à une seule longueur. Il y a encore la place pour égaliser. Pour stopper l'attaque. Et oui, c'est dangereux. Et ça joue à Bruno Fernandes. Le tir de Bruno Fernandes. Et le gardien était bien vigilant. Et le remplacement peut avoir lieu. On va vers le point de pénalty. Ah, la tête est mauvaise, mais c'est surtout grâce à la défense. Et le ballon change de camp. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. João Félix. L'égalisation, c'est peut-être là une des dernières attaques pour le Portugal. Ballon pour égaliser. Oh, mais quel fin de match avec ce but! Et cette égalisation, et peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. Avec un zapatasse brutal, ça compte pareil, mais en plus ça défoule. Ah, quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité, la suite de la rencontre va être belle. Oudera. Avec le peu de temps qu'il reste, si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Ouais, très bonne conservation du ballon. Et un ballon qui échappe à la République tchèque. Le quatrième arbitre lève son panneau. C'est bien donné dans la course. Son ballon en profondeur qui s'envole par-dessus le défenseur. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé !
un scénario invraisemblable. Le score est donc de 5-4. Souček. Zima. Et ça y est, le coup de sifflet final, la fin de cette rencontre et donc la victoire du Portugal. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais Cristiano Ronaldo à l'image, que dire encore sur la performance de CR7, un match extraordinaire. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense.